On va très vite, maintenant, découvrir sur l'écran géant qui se trouve derrière nous le nom de la lauréate ou du lauréat de ce prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2022. Roulement de tambour. Raluca Antonescu. Raluca. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis vraiment très impressionnée. J'espère qu'on a du temps parce que j'ai beaucoup de personnes à remercier. Je vais m'asseoir. Non, je vais pas faire long. Par contre, c'est vrai que j'aurais beaucoup de personnes à remercier. Et c'est vrai que j'ai réalisé avec beaucoup d'émotion et c'est très, au fond, vertigineux à quel point il y a un nombre de personnes incroyables qui sont impliquées dans la réalisation d'un livre, que ce soit même avant le début de l'écriture, par l'aide d'une bourse. Des encouragements d'amis ou de journalistes ou de personnes importantes comme les éditeurs. Ce livre, durant sa fabrication, j'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes qui m'ont ouvert leur jardin, qui m'ont ouvert leur vie, qui ont partagé vraiment des morceaux, en fait d'eux, que j'ai récoltés. Et maintenant, après, une fois que le livre est sorti, voilà, ce petit objet qui est fini, en tout cas moi, où j'ai fini mon travail d'écrivaine, et il est emporté comme ça, et il continue à vivre. Et c'est vrai que c'est... un livre, c'est vivant. C'est vraiment vivant, et il continue à vivre. Et d'ailleurs, voilà, encore dans les lectures, encore par tous ces gens qui le portent, vraiment, bibliothécaires, libraires, journalistes, modérateurs, c'est fou. Donc c'est très vertigineux, et je vous remercie beaucoup. Très touché. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. Vraiment, bravo, Raluca. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que s'achève cette édition 2022 du prix des lecteurs de la ville de Lausanne. Un grand merci à vous de l'avoir suivi en direct sur la télé. À vous, cher public, de vous être déplacé en nombre et sans masque. Et puis un grand bravo aussi aux auteurs. Je vais proposer à tous les gens qui ont fait cette soirée de venir nous rejoindre sur scène au moment où je les appelle. Donc les auteurs, Rosemarie Pagnard, Anne-Frédéric Rocha, Raluca Antonescu, Elela, Julien Sansonnens, Thierry Luther-Bacher. Merci aux lectrices et lecteurs, Ariane Moret, Chine Iglesias, Lauriane Ozoni, Benjamin Knobil, Étienne Doyon, Sylvain Girardin, Romain Butikoffer. On peut s'avancer un petit peu, c'est formidable. Venez, on fait un grand... à Pierre Odetta pour toute la partie musicale de cette soirée, à Nicolas Winch pour la création de l'animation graphique d'annonce du lauréat. Merci aussi à Isabelle Falconier, déléguée à la politique du livre de la ville de Lausanne, à Grégoire Junot, syndic de la ville de Lausanne, à Michel Sauzer, le chef d'orchestre de cette soirée, et à toute l'équipe de la production de la télé. Merci beaucoup, à l'année prochaine, salut, bonne soirée, ciao! Merci beaucoup!